a du caractère, il a ce qu'il faut pour réussir. Il a choisi comme idole quelqu'un que nous apprécions beaucoup, Curt Browning, quatre fois champion du monde. C'est une question de temps, je crois, Alain. Oui, absolument. Il a tous les talents. Réussi le triple axel. Oui, et on va regarder sa performance. J'espère que tout va bien se passer. Réussi, suivi du double boucle piqué. Petite hésitation entre les deux sauts, mais tout s'est bien passé. Donc, triple axel, double boucle piqué, réussi. Pirouette, un peu lente. Une excellente chorégraphie de David Wilson. Eh ben, ça va quand même pas mal. Ça va très bien. Oui. Bonne série de pas. Pirouette sautée, retombée en position assise. Décontracté sur la glace. Et ça, c'est son côté Browning, la décontraction. Double axel pour finir. Pirouette assise, le changement de pied et à nouveau la position assise. La deuxième pirouette est très courte, trop courte. C'est une belle prestation. Une belle prestation. Il va perdre certainement quelques dixièmes sur les pirouettes. Et c'est intéressant au point de vue artistique aussi. Une excellente chorégraphie. Une combinaison. Et puis une belle interprétation. Une façon de se mouvoir sur la glace tout à fait extraordinaire. Et José Normand, contente. Ouais. Bah ça, là, c'est peut-être un peu bas pour les éléments requis. Il a quand même réussi sa combinaison. Triple axel, double boucle piqué. Il a réussi un triple notch, un double axel. C'est faible. Le juge français a mieux apprécié avec un 5. Enfin, il était le premier à... Oui, bah, ça, c'est un handicap, effectivement. Ouais, mais, il dit pas si pire. Ça devrait être beaucoup mieux pour la présentation. J'espère. Attendons voir. Eh bien, nous les entendons sans les voir. Jason Delamay, patiner premier dans une compétition, c'est jamais très facile, mais tu as bien patiné. Oui, je suis vraiment content. J'ai fait une petite erreur insignifiante, mais non, je suis vraiment satisfait. Là. Surtout que patiner premier dans une compétition où la moitié des patineurs ont une expérience olympique au moins, c'est vraiment stimulant. Ça fait du bien, ça part bien la compétition. Parlons un peu de la musique de ce programme-là qui est enlevante. Elle demande beaucoup, je pense, au niveau des jeux de pied aussi. Oui, c'est une... utilise une trame sonore, je ne me rappelle plus laquelle, assez jazzée. C'est vraiment un bon numéro. Il ne faut pas que tu arrêtes, il faut que tu continues toujours, puis il faut que tu essayes de suivre la musique. Le problème, c'est que très demandante au niveau du cardiovasculaire. Mais je l'ai déjà faite pendant au moins un an, parce que c'est mon ancien programme junior de 2 ans. Comme c'est une musique qui me collait bien à la peau, j'ai dit, bon, pourquoi pas une autre année. Bravo et puis bonne chance pour le programme libre.